Cette fascination pour la région traverse l'histoire. Elle rappelle la passion des aristocrates russes venus à la suite de la grande duchesse Hélène dans la deuxième partie du XIXe siècle. Lux Vetchin nous emmène maintenant au domaine de Valrose, aujourd'hui siège de l'université. Un domaine qui résume à lui seul la grande époque russe, une époque de faste et d'excentricité, chez les gens fortunés bien sûr. D'abord le château, un mélange de style gothique et renaissance, avec des intérieurs flamboyants. La profusion du décor traduit l'exubérance de l'âme russe. L'architecture témoigne toujours de l'authenticité d'une période. L'architecture a une valeur et un pouvoir narratif. Ce que ce château raconte, c'est le désir des Russes de se faire accepter en Occident. Le propriétaire de ce château avait fait fortune dans les chemins de fer avant de créer sa propre banque. Le baron von der Wies avait une vocation de mécène. Il était lui-même musicien, il écrivait. Et il voulait que le château de Valrose soit vraiment un haut lieu d'expression des arts. Il construit même un théâtre pour faire jouer son orchestre personnel et organiser des concerts ouverts aux Niçois et aux riches étrangers. Ces festivités mondaines étaient aussi des festivités familiales et c'est toujours pareil, derrière cette façade mondaine et diplomatique se tramaient des enjeux géopolitiques et il valait mieux à tout prendre que ça se passe dans cette ambiance de convivialité, de partage des arts et cette vaste cour de récréation pour tête couronnée qu'était la Côte d'Azur. Donc c'était avant l'heure, on peut dire, la scène diplomatique.